Et plop les gens, c'est encore Zikino pour la suite de nos aventures sur Bat Boy. Et on voit qu'on a dépassé les 70%, on en est à 72. Maintenant qu'on a fini le boss. Ben, pour les niveaux bonus. Mais d'ailleurs ça... Peut-être qu'en faisant... Alors, non. Pas oublié. Quand je fais ça, le jeu ne me laisse pas... Ah oui, il y a ça aussi. Donc... Ça se trouve, c'est juste là pour gagner des sous alors et moi j'y vais alors que j'ai déjà masse de sous. Je suis déjà au max. J'ai l'impression que le framerate était pas ouf de mon côté en tout cas. Attendez deux secondes, je vais... Si j'ai un ou deux tours en trop. Et les boissons, j'ai zéro boisson. Et les techniques. Oh 8 ans plus tard, le monsieur découvre comment accéder aux techniques. Donc attaquer c'est ce bouton, sauter c'est en bas. Bat spin c'est maintenir, oui. Dash bash, oui. Rapin, bulle. Cool rush, oui, vers le bas. Quoique. Saut mural, oui. Trick shot. Mega smash. Donc ça c'est. Tennis et basket. Pas atteint ou mais c'est point grave. Ah ah, te voilà. Salut, on se connaît pas encore, mais t'es pas prêt de m'oublier. Je m'appelle Angie et je suis là pour être la meilleure. Meilleure? Meilleure à quoi au juste? La couture, tête de linotte. Au baseball, quoi d'autre? Oh, t'es une batteuse alors? Tu joues dans quelle équipe? Aucune. Je t'ai juste vu jeter ta batte et j'ai décidé de la ramasser. Ok. En gros, t'as jamais joué au baseball de ta vie. Mais tu penses quand même être la meilleure joueuse? Exact, tête de piaf. C'est comme si j'étais né avec un club entre les mains. Je veux dire une batte. Beurk, non. J'ai horreur des blattes et des cafards. Je suis Angie, la magnifique. C'est dans ma nature d'être la meilleure.
Tu nous surpasses sans doute tous en prétention, en tout cas. Alors, votre paye, on s'y met ou on regarde les moins de volets? Ok. Je vais pas refuser une adversaire si enthousiaste. Frapper la balle de baseball. Faut pas bouger. Elle a 3 PV. Et vu que j'y reviens tard, j'ai 4-5 PV de plus. C'est un peu tôt, le dernier coup. Polto, Poltar. Et... T'as triché! Quoi? Personne ne peut gagner contre Angie la Magnifique! Mais Angie, tu joues plus mal que moi! C'est pas peu dire! Assez! Je vais vous dévorer! Tous les deux! Oula! Oups! Oups! Voilà une réaction quelque peu disproportionnée! Ah, elle est bonne, non? Pas maintenant, Garou. On a un plus gros problème sur les bras, là. Pas mal, pas mal. Ah, J'irais où elle s'est soignée. En PV. J'arrive pas à croire que j'ai perdu ce match de baseball. Match. Il aurait peut-être fallu apprendre les règles avant. Mais je n'abandonnerai pas pour autant. Tenez, prenez ces choux. Vous les avez bien mérités. Crème reçue. Merci. Je vais m'entraîner la prochaine fois. Je vous battrai. Vous verrez. À bientôt. Ah. Donc on va enchaîner son périple. 8 minutes, je pense que je peux enchaîner. Je pensais que les niveaux seraient plus longs et... Après, peut-être qu'ils s'allongent. On va commencer. Pas tous mes sous. 999. Ah, petit souci sur les bras. Il va falloir réussir à monter. Où je gagne de l'oxygène, moi, là? Je sais, je suis débile. Ça. Toutes les touches. J'ai déjà compris qu'il fallait utiliser la bulle, que j'utilisais très peu, trop peu.
Ben, ces niveaux étaient quand même prévus pour être faits avant. Ce n'est pas grave. Oh oh, ce type ne me dit rien qui vaille. Et toi, tu cherches Lord Vicious? Lui, il a déjà plus de PV de base. Moonstar. Quoi? Tu viens de me traiter de vicieux, là? Non, pas du tout. Désolé, on pensait que tu étais l'un des sbires de Lord Vicious. Bon, osez-vous. Je vais vous réduire en charpie, toi et tes potes. Personne n'insulte impunément le grand Moonstar. Ok. Ça me fait penser aux griffes de Wolverine et à... Et ça, particulièrement à... Moi, elle s'appelle déjà dans Hollow Knight. J'ai oublié la fille dans Hollow Knight. Comme si je pouvais perdre face à un gamin et son purée. Je suis un corbeau! Corbeau! C'est pareil. On va compliquer un peu les choses. Mmh. Ah oui, d'accord. Attention, ça va faire très mal. J'ai essayé de charger un coup alors que suffisait d'esquiver. Bon, on est à côté. Ça, par contre, c'est très bien dans ce jeu. D'autres ne font pas, c'est avoir constamment forcément un checkpoint avant les boss, avant les cinématiques, avant les vrais boss, parce que les Otaris ne sont des Otaris ou des je sais pas quoi, c'est pas vraiment des boss. 3 PV, pas ouf. Ah oui, très mal. Je crois qu'il me restait quand même plus de 400 PV. Là, je peux plus charger. Je sais pas mes pouvoirs. Hein. Aucun. À part un peu la bulle du coup quand il fait son truc et que je sais que je suis dedans. Je me prends des dégâts alors que je tape, je suis Sonic en boule. Je me fais dévorer par les moustiques. Allez.
La petite bulle pour me protéger, être sûr de le taper. Alors que je voulais faire l'attaque où je courais à travers tout. Pardon, je ne veux pas te faire de mal. Ça ne fait pas rien. T'as peut-être gagné de ce tour, petit. Surveille tes arrières et apprends à ton piaf à fermer son bec. Hé, j'ai dit que j'étais désolé. Regarde, il a fait tomber quelque chose. Poivre reçu. M, poivre. C'est peut-être ça qui va nous donner les boissons. Oui, d'ailleurs, j'ai enchaîné, mais on est à 16 minutes de jeu. Ça devrait... Alors, alors, je sais pas si... Sérieux? J'allais dire, je sais pas si c'est ça à faire, mais apparemment non. Hein. Bon, je... Ça le fait activer. Ok. On a pas besoin de courir. Oh mince. Oh, j'y étais. Prochain cycle. Allez. Je vais revenir là. Quoi? J'ai pas besoin de ça. Moi, jamais été fan des lois de la physique, de toute façon. Clairement, le corps de Céleste ici. On va pas se mentir. Et,
Peut-être que Céleste l'avait tiré d'ailleurs, mais... Ah. Que je le vois redire quelque chose qu'il a déjà dit. C'était bien. Je me suis fait surprendre sur la fin. Haute. Alors que je sais que j'arrive tôt dans le cycle. Je pars trop tôt, j'arrive trop tôt, donc... Et là, je fais plus gaffe que c'était déjà ici la fin. Quoi ? À sauter à la toute fin, à attendre que le truc soit, que la lave soit bien tout en haut. Non, j'étais déjà en train de sauter. Je suis pas suffisant. Les cycles qui rebootent pas quand on respawn, c'est bien, ça nous laisse dans l'ambiance, mais est-ce que c'est long quand on sait pas jouer comme moi là? Alors que maintenant je maintiens la direction droite pour être sûr d'arriver. Oh, on peut avoir la tête à moitié. Ah, mais il n'y a pas de soucis. Aïe. J'ai mouru. Non, le grillage ici et enfin, il y a une séparation ici. C'est étrange. Donne envie de dire qu'il y a quelque chose de planqué, mais
Non, juste pas, c'est que ils ont pas fait 100% un auto-tile. C'est quoi ça? Un genre de toaster? On dirait qu'il y a un truc qui ressemble à un gant de baseball. Je suis Catchman, le meilleur catcheur de Stratos. Ah, pardon, on t'a pris pour un genre de machine? On n'est pas si différent, juste pas fait des mêmes matériaux. C'est une façon de voir les choses. Enchanté, je suis Bad Boy, et voici Garou. La rumeur d'un batteur de talent m'amène dans ces lointaines contrées. Serait-ce toi? Difficile à dire, il y a un autre type avec une batte, mais il est habillé en noir. Spoiler, mais on a déjà fait la fin du jeu. C'est Popa. Je vois. Je suis toujours à la recherche d'un adversaire à défier. Ce serait un honneur pour moi si vous acceptiez cette humble requête. Ça aurait été avec plaisir, mais on est en mission de haut import. On accepte! On est toujours partant pour un défi amical. Excellent. Vous m'honorez. Commençons. What? Il a plus de vie sur sa première barre que n'importe qui, sur même sur sa deuxième. Je veux pas tomber dans la lave. Et je veux pas ce que tout les compétences font. Comment ça se fait que t'es un bon catcheur avec ce genre de compétences? À la limite, un lanceur avec toutes ses balles, le batteur il peut être perdu. C'est le même rôle suivant dans l'équipe qui en. Bête ou qui reçoit. Je ne sais pas, je ne connais pas le baseball IRL suffisamment. Donc 4 PV perdu, ça va. C'est impressionnant, mais ça se fait. Splendide. Après tout, c'est siècle, enfin un adversaire à ma hauteur. Bien joué. C'était pas simple, bravo. Acceptez, je vous prie ceci. En gage de ma gratitude. Sel reçu. Du coup, on a sel, poivre et crème. J'espère que nous nous reverrons. Prenez soin de vous. Alors, je sais pas s'il y a quelque chose, si on rebat maintenant la tour du Nord. C'était gourmand, bac de terre, perfection. Je sais pas si on les voit tout d'un coup ou pas, mais. Je suis fier de toi, mon garçon. Tu n'es pas seulement un bon joueur de baseball, tu es aussi un héros. Moi, je l'avais déjà lu. Oh, serait-ce de la crème? Je pourrais en avoir? Je peux désormais vous faire mon smoothie à la crème. Un vrai délice. La Borman, un ingrédient pour préparer la boisson. Donnez à Borman les 3 ingrédients nécessaires pour préparer une boisson. Je veux les autres dialogues. Roland Nero, merci pour les ingrédients. Toujours prêt à préparer les meilleurs mocktails du coin. Qu'est-ce que je vous ai? Boutique. Aussi à la crème. Bon boisson, élixir de l'âme. Oh. Santé. Pas des pieds. RLTA, mince. Je sais pas lequel est lequel. Ah zut. Ah bah ils sont là. Je me dis bien qu'ici c'était vide. Et au final c'est ces trois là qu'on a vu ici. Très bien. Parler dans l'ordre. Et lui peut-être qu'il y a quelque chose à nous dire. Bonjour, j'ai vu passer 3 types porteurs de 3 sorties dans notre monde. Je me suis permis de les faire immortaliser sur. Je vous dirai une peinture sur vous. Je veux dire, de la
peinture sur. Je n'ai rien. Je pense qu'il est connu dans tous. Okay. Ça n'a rien changé. Pas mal, non? Ouais. Oh, grosse, pas du talent. C'est dur de se rater avec un aussi beau modèle. Quoi? Tu me trouves pas jolie? Bien sûr que si. Très jolie, absolument magnifique. Ne nous tue pas, s'il te plaît. Dis, bad boy, ça te dirait d'aller manger un petit bout un jour? Quelle idée, quelle merveilleuse idée, vous deux pourriez aller dîner ensemble. On en reparlera quand on aura vaincu Lord Vicious, d'accord? Ok, mais ne me fais pas attendre trop longtemps. Ou c'est toi que je vais manger? Après que je rentre chez moi, toujours. Ça manquait à mes fans. Et bienvenue si tu veux, mais sans ton clébard. Eh oh, je t'entends, tu sais. La musique envoie du lourd ici. Il devrait passer mon CD. Tu veux une revanche? C'est ce que je pensais. Voilà. Alors, j'ai pet de Dogo, mais je voulais... Bah là, je fais les deux. Les chiots et les chatons sont tellement doux et mignons. Mon cœur de métal fond quand j'en vois. Ok, je sais pas ce que font ces potions et vu que je sais pas laquelle est laquelle. C'était quoi du coup? C'était. Bah après, je peux regarder la VOD. Mais j'aurais bien dit qu'il me les a mis dans l'ordre. Donc le... Mais dans quel ordre? La boisson de l'âme, on va l'élixir de l'âme, on va dire que c'est le blanche, celle que je peux pas. Du coup, ça veut dire que le smoothie à la crème serait orange. Je ne sais pas. La bonne boisson, je dirais bien que c'est celle du milieu. Et on pourra tester ça au prochain épisode. Et dans ces prochains épisodes, on va essayer de tout récupérer. Alors je sais pas si je referai tous les boss ou si une fois qu'on a récupéré le truc on verra, mais ouais non, si, il y a des chances que le niveau m'indique de le finir, enfin, ouais, à moins que je le quitte comme un sauvage une fois que j'ai ce que je veux, en sachant pas si ça me l'aura vraiment récupéré pour rien. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.